Qu'il est méchant. Qui bouge, c'est. Il fait beau sur Paris aujourd'hui. Et oui, alors, et nous l'avez une grande nouvelle. Ça fait quand même une semaine qu'on attendait d'avoir un peu de ciel bleu pour le lever du soleil. Regardez, on va découvrir l'image en direct. Et alors, petit conseil, profitez-en. Parce que ça ne va pas durer, évidemment. On a une nouvelle perturbation nuageuse qui arrive et donc cet après-midi, ça va s'ennuager sur la capitale. Allez, on regarde ça dans le détail sur notre carte. Tout de même, beaucoup d'éclaircies aujourd'hui. Et oui, ça se voit dès ce matin, des Pays de la Loire jusque dans le Grand Est. Quelques brouillards givrants par endroits. Soyez prudents si vous prenez la route. Grand soleil dans le sud-est, mais avec toujours Mistral et Tramontane, un petit peu moins fort qu'hier tout de même. Entre les deux, pas mal de nuages, quelques flocons possibles sur le massif central et les Pyrénées. Et puis donc cette perturbation nuageuse qui arrive par le nord-ouest et qui va progresser doucement, mais sûrement au fil de la journée jusqu'à atteindre l'île de France au milieu de l'après-midi. Côté température, en revanche, petit bémol, hein, il fait encore plus froid ce matin. Et oui, quand les nuits sont dégagées, les températures redescendent. Moins 5 degrés du côté de Reims, moins 4 en Provence ce matin. Mais cet après-midi, le mercure va reprendre quelques couleurs. 10 degrés du côté de Cherbourg, 10 degrés pour la cité phocéenne. Entre les deux, une ambiance toujours très froide, mais très bonne nouvelle. Les températures vont grimper les prochains jours. Le redoux est annoncé pour la semaine prochaine. C'est le cas du kamikaze.